les gens, c'est Momo. On continue l'aventure sur le bus avec les quêtes de bas du front. Alors on enchaîne. On lui demande, on est volontaire pour se battre avec lui. Il dit, tu sais te servir d'une arme ou moi? On dit, bah évidemment. Il dit alors, ok, je vais te donner des missions. Avant, va me chercher une bière bien mousseuse à la taverne. Et, il dit, un mercenaire efficace est un mercenaire n'est pas efficace avec la gorge sèche. Voilà, ce qui n'a aucun lien, aucun rapport alcoolique. Donc là, il y a la petite quête, bière qui roule n'amasse pas mousse. Ça, c'est bien vrai. Donc, 40 kamas environ, il faut juste lui acheter. Même pas, je pense qu'on peut lui parler. Une bière. De me recommander la bière. Payé. Voilà, on a la bière. La petite bière à 40 kamas. 40 kamas pour une petite bière. Petite chope. 40 boules. Ça fait cher, un chope. Et on va rendre ça à l'autre pello. Hein, franchement, la quête désobligeante. Ouais, désobligeante, ouais. Rien à voir, et alors? Ok, on fait comme ça. Donc, voici, voilà, on lui rend. On lui dit, tiens, ta vieille bière, espèce de nulle. Et elle dit, voilà. Miam miam, c'était bon. Donc là, il nous explique que les citoyens font souvent appel aux mercenaires pour régler n'importe quoi, un peu de tout. Et donc, on lui dit, je suis chaud. Il dit, tiens, je te donne une liste de problèmes qu'on a. Va les régler, fais pas chier. En gros, hein. Donc, on doit régler les soucis de Bart Krusty, de Veggie, de Jeffrey et de Cindy. Syndica. Donc, moi, je vais les faire dans cette ordre-là. Je vais d'abord aller voir Bart. Pourquoi? Parce qu'il est le plus loin. Il est du côté des pichons. Regardez-moi cela. Il est où, Babart? Il est là? Il est là, Babart? Oh oui. Complètement con. Donc voilà. Vu que Bart est assez loin, je vais au plus loin pour revenir au plus proche de la ville. Vous voyez, là aussi, il y avait Vengi. Vengi, regardez. Vengi. Veggie. Veggie. Voilà. Donc, en vrai, comme je vous dis, hein, ça peut paraître long, les trajets, et ça va. Franchement, ça va. Je trouve que ça me prendrait. Enfin, en vrai, ça me prendrait plus de temps de m'amuser à couper les vidéos, vous voyez, couper, recouper, ni, petit tiens, alors que de faire le trajet là à pied, vous voyez. C'est vrai. C'est ça qui est rigolo. Ou pas rigolo et triste, je sais pas trop. Alors, est-ce que je peux passer par en bas? Parce que là, je passe par des chemins un peu inconnus, j'avoue. La zone là, je la connais plus trop bien, minière, machin. Mais je pense qu'on a accès quand même. Hein. On a quand même accès. Hein. Dites-moi qu'on a accès. Oh, Calanque. On est à la Calanque. On est au Calanque. Calanque. Donc, on arrive voir notre ami Bart, c'est ça, non? Bart Cousty. Cousty Bart. Bart Cousty. Non, toujours pas. Pas compris le jeune, moi non plus. On lui explique qu'on est envoyé par du front. Il dit, ah, heureusement que tu viens, parce qu'effectivement, il n'y a jamais personne qui vient à cause des pichons qui, à chaque fois qu'ils arrivent, font fuir les gens, en fait, hein, parce qu'ils foutent la merde, c'est con. En gros, ils font peur aux voyageurs. Et donc, il faut battre trois pichons de chaque catégorie. Donc, on va faire ça ensemble, là, maintenant. Hein, on a le temps, les gars. Calmez-vous, ne vous énervez pas. Si, vous vous énervez, je le vois bien. Donc, voilà, les quêtes, on s'en fout un peu. Hein. On est là pour se booster. Voilà. Assez fastoche, hein, les combats. Hein, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de vita. Même à mon niveau. Je suis 55, mais c'est parce que je suis vraiment mal stuffé. T'es mal stuffé, mon gars. T'es nul. C'est nul, c'est moche, ça pue. Et donc là, on peut s'amuser à faire. Mais je fais pas beaucoup de dégâts avec ça. 17? 17? Mais attends, c'est parce que je suis pas boosté à fond. J'ai ça et je fais 22 dommages. C'est pas possible que j'aurai une résistance de fou en tête. Ça va être long. Ça va être très très long. Oh, ça va piquer. Ok. Ok, c'est pas grave, c'est pas grave. Calmez-vous, on va trouver un truc. On va trouver un truc. Ah, le jeu bug. Il ne veut pas tuer la bestiole. Hop, 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 hop. Impossible, vous avez un PA et vous en faut deux. Ouais, je suis pas bête. Hein, je connais mes PA, PM, POM. Ok. Donc, on va taper un autre élément. Feu, ça va être bien. Ouais, feu, c'est bien. Ah ben heureusement, on a eu tempête de puissance il y a peu. Et il fait mal, tempête. On est d'accord. Il fait très très mal. Tempête, c'est ce qui fait vraiment mal. Et donc,
magique de pouvoir l'utiliser à bon escient pour défoncer du personnage. Voilà. Ça valait beaucoup mieux. Et lui, il est pas terre. Ah, il est déjà un peu moins de terre, c'est déjà ça. Regardez, en un tour, on tue un mob. Il faut juste en tuer 3 de chaque, hein, donc ça va vite. Hein. En vrai, 2, 3 combats, ça fait 2 combats. Hein. Vous prenez les plus gros groupes sur la map, et ça va vite. Hein. Faites pas genre que ça va pas vite. Hein. Ok. Regardez là. Ah voilà, et je me blesse. Bah oui, parce que c'était pour tester si ça fait mal. Voilà. Donc, voilà. Hop, un petit coup de Martia. Voilà, hop. Alors oui, j'ai pas de Vita. Et alors? Tu crois que j'ai peur? Tu crois que c'est... Tu crois... Ok. Bon, et là, n'hésitez pas à afficher tout le temps pour bien avoir vos quêtes. Vos quêtes. Vos quêtes. Kate Miguelson. Bon, je vais m'arrêter là tout de suite. Alors, j'ai fait booster dans le vent, mais le misclic de la mort. Oh, pff, la honte. Ouais, d'accord. Misclic en mousse. Ouais, déjà fait. Je suis déjà à 2, 3, 3. Voilà, ça va super vite. Franchement, vous inquiétez pas, ça va très très vite. Ne vous inquiétez pas, amusez-vous à la place. Épidivine. Mais j'ai déjà Épidivine. Pourquoi me proposes-tu 2 fois Épidivine? Tu as un truc avec Épidivine? Tu aimes Épidivine? Y'a un souci? Bah, le pichon blanc. Et tu es mort, pichon blanc. Donc là, il y a combien de pichons blancs? 2. Donc après, un seul combat, et c'est vite fait, les gars. Franchement, ça va aller vite. Je pense que je vais faire, par contre, que 2 quêtes. Parce qu'il y a plusieurs quêtes. Comme vous avez certainement pu le remarquer. Hein. Ah, je vais peut-être clamser dans pas longtemps, donc je vais peut-être m'enfuir et jouer safe. Parce que là, je fais le malin. Mais, on va crever le petit. Hein? Paf, ah bah ouais. Ok, dans ce cas-là, on fait la technique de que je m'enfuis. Hein, elle est bien aussi la technique, là, je la connais bien. Et on va taper de très loin. On va faire que ça, écoutez. Ouais, donc il est crevé. Aïe, aïe, aïe. Absolument que je tue ça. Ouais, je vais tuer ça là maintenant. On va essayer en tout cas. Oh, goddamn bitch. Goddamn bitch. Ouais, super. Il faut que je tue. Tu l'as. Ah mon dieu, j'ai perdu ce combat de merde. Ouais, d'accord, c'est la grosse honte. On est d'accord que c'est vraiment la honte. Ok, c'est la honte. Et donc la vidéo va prendre beaucoup plus de temps que prévu. C'est les aléas. Ouais, bon. C'est vraiment de la merde ce jeu. Quoi? C'est les aléas de la vie, mais c'est vraiment dommage. En Kama, si vous voyez cette vidéo, faites un zap au pichon. Merde. Le zap au pichon, il est... Oh, quelle est belle cette poupoute. Un zap au pichon, c'est obligé, merde. Qu'est-ce que c'est ça, hein? Un ballon de plage? Ah, pas de plage. Et lui, quoi? Capitaine Igloo? Bon. Oui, je suis fâché. Oui. Ça se voit ou pas que je suis fâché? Ah, vous vous souvenez d'eux, les petits Soki? Le petit Soki. Il est en train de... Hein? Voilà, voilà. Il est en train de discuter avec elle. Ils sont faits l'un pour l'autre. Soki et l'autre sont faits l'un pour l'autre. Ils sont faits l'un. Fait l'un. Ouais, super. Bon, donc on va pas trader. On va faire des petits groupes. Hein, parce que j'ai compris qu'on était des merdes. Que je suis une grosse truite. Donc c'est bien qu'on voit ça. Là, il nous reste des pichons. Gna, gna, gna. Pichon vert, il nous en faut plus. Pichon orange, un peu que ça, c'est un peu exagéré quand même. Hein, non, pas trop là. Des bleus. Des bleus et des oranges. Ok, donc on va aller assez vite. Mais quoi, il dit qu'il y a full truc qui font peur aux voyageurs, mais il n'y a rien. Mais qu'est-ce que c'est le problème alors? Quoi? C'est quoi ces petits groupes? Bon, en tant que tout-poto, vous avez raison. De toute façon, on a pas grand chose d'autre à perdre, hein. Donc je vais d'abord me booster à fond avec ça. Voilà, après je donnerai un autre truc. Voilà, super, je l'ai tué. C'est bon, on est bien parti. Bon, ce coup-ci, on tue les blancs et les oranges en un combat. Comme ça sera fait.
Je vais d'abord booster avec lui, comme cela. Et après, parce qu'on a un 4, hein. Ouais, ok, 4 avec 4, je tue lui. Et lui. En fait. Enfin, lui, je sais pas si je le tue. Ah, si. Voilà. Voilà, mais fait voilà, mais tantôt, qu'est-ce que j'ai eu? Même moi, j'ai pas compris, j'ai eu un raté. Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé, les amis. J'en suis même attristé, tellement ça me perturbe. On va chier ça et ça, un peu plus de dégâts, voilà. C'est juste les éléments, hein, évidemment. Hein, les rouges, là, les blancs, l'air, etc. C'est connu. Hein. Ok, donc toi, je vais te pousser là-bas dans le tas. Et on va utiliser ça contre tes amis et toi. Voilà, là on recule. Parce que du coup, eux, ils aiment pas la terre. Donc, nice pour moi. Nice pour moi. Oh, le feu aussi, ils aiment pas le feu. Double nice. Regardez. Double. Et après moi, je l'achève lui. Voilà. Donc, on a bientôt fini. On a bientôt fini. Oui. Paf. Pif. Donc, combat assez facile, sauf quand on fait le glandu comme moi et qu'on rate, évidemment. Sinon, combat fastoche. Voilà. Vous pouvez me huer, hein, mettre des dislikes. J'assume. C'est bon, j'assume. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Des pigeons bleus, nous cherchons le pigeon bleu, le pigeon bleu, ça c'est bleu, non, il en faut combien des bleus, qu'on rigole, un, et évidemment ils sont quatre, mais on va se faire le groupe là, puisqu'il m'en faut qu'un, tristesse, je merde, bon, on avance, je vais booster direct comme ça, il va approcher, je vais fumer. Ah, il me casse les pieds lui à faire la vague à l'âme comme l'autre, la vague à l'âme comme comme le panda. C'est chiant, hein. Aïe, toujours aïe, hein. Toujours le même aïe, hein, mec. Bon, lui on va le fumer, mais je sais pas s'il va comprendre ce qui va lui arriver. Paf. Tout ça parce que je suis pas feu. Après, je sais, il y a la fameuse technique du yop feu 9 PA 4 PM hein, en mode vroom. On connaît, hein, je connais bien le système, ça va, merci. Mais j'avais voilà, et voilà, c'est tout. J'avais pas envie, c'était trop simple. J'aime bien moi les yopter, mon petit yopter. On verra ce qu'il donnera après, ça sera peut-être de la merde encore ou super chouette, hein, c'est pas, c'est pas, on sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que je vais péter sa gueule à lui. Parce que je le tue. Ouais, voilà, fini la mission, les gars. Calmez-vous. Je sais, c'était long, j'ai foiré un truc, mais j'ai réussi la mission. Du coup, j'en fous. Voilà. J'en fous, j'ai réussi la mission. Merde. Merde. Donc là, on lui dit qu'on a fini. Et il nous dit, je vais mettre moi-même les cadavres un peu partout autour pour dissuader les autres de se ramener. Hein, parce que bon... Et dit en attendant, il nous donne la clé du château ensablé pour qu'on aille combattre les, le château ensablé. Qu'on aille faire le donjon, en gros, des pigeons. Hein, en gros, je vous fais la version rapide. Je vais vite enchaîner avec, avec Vicky. Vicky. Tout, pourquoi? Parce que j'aimerais bien faire... Il y a 4 missions, en fait. 4 personnes à aider. Et j'aimerais bien faire 2-2. Vous voyez, comme ça, je fais que 2 vidéos pour en faire 5 par vidéo. Ben voilà. Ici j'avoue qu'avec le petit fail que j'ai eu, ça m'a pris un peu plus de temps, la vidéo est plus longue. Maintenant j'espère pouvoir compter sur votre... vous êtes gentil. Et donc voilà, merci les amis. Donc on parle à Veggy, on lui dit qu'on est envoyé par, par du front. Il nous dit que, qu'il est en train de gérer un buffet végétarien, évidemment. Mais qu'ils sont ennuyés par l'environnement, la flore aux alentours de nous, et donc elle aimerait bien qu'on pareil avec les pigeons, qu'on défonce des pissenlits et qu'en même temps on comment on appelle ça, on récupère des poires de pissenlits, des poires de rose, des poires de tournesol et des poires de d'épouvanteur pour les revendre en fait, hein. Pour le souper, ils font un banquet les gars, hein, les sadis là, ils font un banquet et du coup c'est à nous d'aller chercher leur bouffe parce qu'on est des blaireaux. Voilà, voilà, ça c'est dit. Donc, combat pareil, hein, plein de flore, ça c'est terrible, ça va assez vite.
Hein, c'est un combat assez simple, hein. On va, on se booste. Et on défonce tout. Ils sont un peu plus simples à tuer, je pense. Ce qui m'ennuie le plus, moi, c'est qu'ils sont plus éloignés. Voilà, ils sont plus éloignés. Maintenant, ils ont beaucoup moins de résistance. Hein. Donc, enfin, je trouve qu'ils ont moins de résistance. 31 en feu, évidemment. Voilà. Mais en terre, c'est ça, voilà. En terre, c'est de la dope. Voilà, ça, c'est intéressant. C'est qu'en terre, c'est vraiment de la grosse dope. Et donc, je me permets de faire ça. Voilà. Et voilà, exploser. Et donc je pense que le combat là va aller beaucoup plus vite et je n'ai vraiment pas le droit de crever contre cette pièce mob. On est bien d'accord tout je suppose. Voilà. Ça c'est fait. Suivant. On va essayer de pas être trop loin tout simplement parce que après ça prend trop de temps, ça m'énerve de courir après autant de mobs. Tournesol, j'en ai pas eu beaucoup. Hop. Alors on est loin à chaque fois. Ça par contre, pour un crâne ça va être terrible comme quête. Hein. Je veux bien l'avouer moi-même. Hein. Pour les crânes ça va être easy peasy. Hein, le cry va être là en mode ben je vous attends hein, et... mais moi le petit hop je suis obligé de se sauter pour arriver jusqu'à eux mais c'est pas grave parce que le fait de sauter me donne l'accès à ça et flash ah il est pas mort mais je suis pas feu bon ils aiment pas la terre non plus mais non aucune fleur n'aime la terre on dirait dans le jeu hein, je sais pas qui c'est qui a fait le truc mais voilà il l'a fait à cette façon là. Je sais pas pourquoi. Eh, one shot. Je fais plus de dégâts terre. Hein. C'est normal, c'est mon élément. Regardez. Voilà. Voilà, voilà. Ah oh. C'était le chi. J'ai utilisé mon chi. Et tu as crevé avec mon chi, mon gars. Et voilà. Il nous manque quoi? Les épouvantails, non? C'est pas ça? Ouais, c'est ça, je crois. Ah. Les épouvantails, c'est ça, juste ça, ou il nous manque autre chose encore. J'ai envie de faire des purées de gros groupes. Je vais dire être grossier, mais non. On a terminé en fait, je sais pas trop. Ah, il nous manque que les épouvantails en fait, c'est ça. Ah bah ouais, voilà, c'est ça. Il nous manque que les épouvantails en fait. Je me disais aussi, tout est en mauve, réussi. Ok, donc des épouvantails, un seul là. Y a pas genre deux épouvantails copains hein, ensemble non genre c'est impossible peut-être. Ah deux épouvantails mais beaucoup de autres bestioles donc combat trop long donc non. Oui c'est comme ça qu'il faut réfléchir les gars. Check là rien un pissenlit et là ah trois épouvantails épouvanteurs pardon j'ai épouvantail mais épouvanteur évidemment le nom pourri. Voilà, l'attaque, pareil, hein, vous connaissez le système, je tape direct, hein, je ne me pousse même pas, hein, parce que de toute façon les épouvantails, épouvanteurs, purée, ne servent pas à grand chose. Aïe, comme ça, hein, ça fait mal, hein. Molo lastico, mon gars, molo lastico, fla. Alors, je commence à avoir froid. Voilà, comme ça vous le savez, la température ambiante dans ce bureau est froide. Voilà. Donc si je fais ça, j'en tue un paquet. Par contre, si je m'amuse à faire moins de là, moins de là, et 67 et 63, et moins de là, c'est bien. Voilà. Et là je meurs pas. Ouais, d'accord, c'est les derniers mobs que. Si je meurs avec ces derniers mobs là, je peux aller me coucher tout de suite. Hein, on est bien d'accord. Voilà. Voilà. Il me semble bien que j'avais pas crevé. Pas charrié non plus. Je m'en vais. Non, parce que si je meurs maintenant, je peux arrêter le game hein, tout de suite. Oh putain, j'ai réussi le chal. Alors, logiquement, j'ai fini la quête là, non? Ou pas? Est-ce que j'ai fini la quête? J'ai pas fini la quête? Pourquoi j'ai pas fini la quête? Si j'ai fini la quête, j'ai pas fini la quête? J'ai fini ou j'ai pas fini? Des poires. J'ai pas de poires, j'ai pas deux poires. J'ai pas deux poires. Ah bah si! Je les ai les deux poires. Ce jeu bug. Ok, donc on va ramener tout ça à notre ami Viggy. Hein, pour lui dire, hey, tu vas pouvoir faire ton purée de buffet. Bon, buffet.
Voilà, il est où? Je vais me reposer en même temps. Alors oui, je ne vais pas faire cette vidéo parce que voilà, mais... Hein, voilà. Tous les aliments, flas. Je n'imaginais pas avoir à tuer autant de bestioles ici, c'est le bordel. Edia, tes actions ont attiré l'attention d'une créature de la grange. Et là, on se prévoit à combattre. Et qu'est-ce qui apparaît là? Une poupée champêtre. Ben oui, une petite poupée champêtre, je vais récupérer ma vie. 2 minutes, parce que la poupée champêtre, elle fait peut-être des dégâts. Oh, regardez, une ceinture fleurie. Quelle belle. Oh, parchemin blanc. Waouh, 200 XP. J'aime ce truc. Bref, hop, on combat. Et on doit combattre beaucoup de choses. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Il y a des maths techniques de FIFO, hein, comment on peut appeler ça dans... Voilà. C'est que je me booste là. Et là, il me reste 4. Et alors là, je t'attaque. Et je t'attaque. Vous voyez? Et le but étant de défoncer très vite les bestioles. Waouh! Waouh! C'est vrai que je regarde même pas ce qu'elle a fait. Qu'est-ce qu'elle m'a fait? Ah, elle m'a juste fait un peu de dégâts. Enfin, un peu. Non, juste fait des dégâts. Ok. Merci à toi. Je sais pas quoi dire. Voilà, donc la petite champette à l'aise est crevée. Pas trop compliqué hein, le combat encore une fois. Après c'est vraiment, ça dépend de votre niveau aussi hein. Finalement si vous êtes niveau 4, ça va poser quelques problèmes maintenant. Même niveau 30, 40, 40, il y a moyen. Franchement 40, même 40, je suis sûr qu'il y a moyen de gérer ça. Ce combat fastoche. Ouais, franchement ouais. Tu vas pas rater ton coup toi quand même. Tac. Tac. Rapproche-toi. Si ça vient se rapprocher tout le temps. Et voilà. Combat terminé. On t'a sauvé ma petite. Hein ma petite. Et elle dit, ouh, c'est bizarre qu'il sort de là. Je pense qu'ils viennent de la grange. Tu devrais aller voir cela pour défoncer la chef. Et on passe niveau 56. Donc, voilà, on a reçu la clé du donjon des champs. Et je m'arrête ici pour aujourd'hui avec notre petite Viggy. Je vous dis à très bientôt les amis. Yo, tchou tchou.